franchement, je sais pas vous, mais moi, la cinématique, franchement, elle m'inspire. Ça, je trouve qu'elle a vraiment la classe et ça fait tellement plaisir de retrouver Star Fox. Salut à toutes et à tous, ici BBTM et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Fox Zero. Voilà, on vous avait fait l'introduction et le premier monde la dernière fois. Aujourd'hui, on va continuer l'aventure, essayer de pas faire trop de trous. Surtout que bon, les Star Fox ne sont pas connus pour leur longueur hallucinante. Alors ça, c'est pour voir le prologue, l'entraînement. Je n'ai pas besoin d'entraînement, on va tout de suite repartir dans le mode aventure. Pourquoi il n'y a plus la caméra, là, vous dites? Bah oui, pourquoi? On voyait ta tronche, ta magnificence la dernière fois. Secteur Alpha, c'est parti. Et oui, en fait, c'est juste parce que c'était mon astuce. Enfin, je vous explique après le... Grâce à vous, Star Fox, Corneria est sauvée. Oh, je sais. Mais pas le temps de souffler. Une autre mission vous attend. Une nouvelle flotte ennemie approche. Nous avons besoin de vous sur le front. Sur le front, mais oui, mon petit Pepper. Nous partons sur le champ. Nous partons sur le champ. Alors oui, parce qu'en fait, vous avez pu voir qu'il y avait des retours caméra réguliers toutes les 5 minutes sur la vidéo. C'est juste que en fait, je suis sous contrat avec Nintendo et donc j'avais pas le droit de montrer 5 minutes du jeu, plus de 5 minutes du jeu d'affilée. Donc il fallait qu'il y ait des retours caméra et c'était le plus simple pour moi de faire ça. Mais bon, ce qui m'énerve, c'est de casser le jeu. Bon, alors bien sûr, graphiquement, c'est pas ce Star Fox qui... Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai fait un truc chelou. Alors attendez, faut que je retrouve mes touches. Oh, attendez, la musique, elle me parle. Ah non, elle me parle pas, en fait. J'ai écouté quelques secondes et ça me dit trop rien. Donc voilà, c'était juste histoire d'eux, mais maintenant, j'ai envie de vous montrer le jeu. Oh bah, qu'est-ce qui se passe, mon petit Bill? Il craque. Pourtant, je l'ai même pas vu. Et hop, on va essayer de détruire cette espèce de vaisseau ennemi. On est tout de suite dans la zone alpha. Oh là là, mais c'est moi où ça ramouille quand même un peu. En fait, c'est marrant, c'est vachement lent. Dans ce niveau, on a l'impression de se déplacer à 2 km/h. Ah, mais j'arrive, mon petit Bill, donne-moi 2 secondes pour péter les fesses des ennemis. Je joue toujours, comme vous pouvez le voir, au stick, c'est-à-dire que je joue pas avec le gyroscope. Mais il faudrait peut-être que je le fasse, alors attendez. Oh merde, j'ai lancé une bombe. Bon, bah, au moins. Oh, ils y étaient, ces ennemis-là, dans le 64. Ils y étaient, ces espèces de machins-là qui... Ah ouais, en fait, il y a beaucoup d'ennemis qui sont repris du 64, là. Les petites tourelles et tout. Bon, en même temps... Oh, purée, il m'a mis un one-shot. Arrête ça, Fox, tu t'améliores, Fox. Le discours, hein. Je crois que Pépi, il est pris de... Ah, la petite bombe. Il est pris d'un bipolarisme primaire. Le gars, il sait pas où donner de la tête. Un coup, il t'aime, un coup, il te défonce. Au-dessus de toi, Fox, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, le petit truc, là. Alors, est-ce qu'on peut sauver avant qu'il tire sur le vaisseau? Mais il arrête pas de mourir, Bill, ou comment ça se passe? Ou alors il est vraiment deck que ses vaisseaux partent en fumée, hein? Peut-être que c'était les siens, il a mis cher dans le truc. Allez, vite, vite, vite! Le petit barrel roll! Alors par contre, pour faire un barrel roll, là, le fameux mouvement que nous apprend Pépi, qu'est-ce qui se passe là? Je vais me faire écraser, c'est ça? Le fameux mouvement que nous apprend Pépi, avant c'était appuyer 2 fois sur les gâchettes, ici c'est un peu différent. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ça? On va essayer de tous les détruire parce que dans Star Fox, il y a toujours eu des chemins alternatifs et des fois, il faut remplir une certaine mission. Donc voilà, là, j'ai pété ça. On prend la petite bombe au passage, ça peut toujours être utile. Ouais, il fallait appuyer 2 fois sur la gâchette et c'était un peu plus simple. Là, maintenant, il faut faire 2 coups de stick droit. Et je trouve ça, dans l'action, c'est un petit peu moins facile à réaliser, on va dire. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. J'aurais peut-être dû aller dans les options parce que je sais qu'il y a différents modes de difficulté, notamment un qui vous permet d'être invincible. Alors ça, c'est vraiment... Quand vous avez 4-5 ans et que voilà, vous voulez juste profiter du jeu, etc. Oh purée, la tête d'Andro, ça dit donc, il a mis du budget dans ses vaisseaux, lui. Je t'ai pas lu, mon petit Falco, là, qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, le stage, il est assez posé, c'est marrant, c'est vraiment un rythme. Oh purée! Attention, là, ils essaient de nous incendier de tir. Mais en tout cas, ça fait tellement plaisir. Vous m'aurez pas comme ça, mais non! Généralement, quand vous arrivez à tuer toute une salle d'ennemis, il vous donne un petit bonus, soit un tir laser amélioré, soit... Ah! Soit une petite bombe ou un petit truc comme ça. Ça fait vraiment plaisir de retrouver Star Fox. Alors bien sûr, les premiers enfin tous les tests sont maintenant tombés, hein, les tests français de la presse américaine et compagnie. C'est pas... Oh là là, oui! Boum! Les pauvres vaisseaux, comme ça vous aurez plus de stock de vaisseaux. Et on se retrouve une nouvelle fois en Walker. Oui, oui, je sais, c'est pas comme si je l'avais eu dans la première mission, t'en fais pas. Ah, et donc là, on a carrément... on se balade, en fait. On dirait une petite scène de plateforme. Alors, attendez. Comment je... Oh, purée, je l'avais pas vu. C'est qui me tire dans le... Par derrière, là, en plus, espèce de... Ah, là, j'ai mis la vision gyroscopique, voilà. Ah, bah là, je l'ai retiré, je comprends pas.
En fait, c'est quand on charge le tir, là, je passe en gyroscopie. C'est peut-être un peu plus simple. Attendez, j'ai cru voir des trucs au-dessus. On va essayer d'annihiler un peu tous les ennemis. Oh là là, cette esquive, il essaye encore de me tirer. Alors, attendez, ZL. ZL, c'est ça. Oh, mais ça cible pas ma... Comment ça se passe? Ah si, c'est bon, là, je l'ai bien ciblé. En fait, on peut les cibler. Ça, c'est une nouveauté. On pouvait pas dans les anciens. Ah! Ah bah il s'est à peine volé, il s'est même pas du tout volé, regarde, c'est juste un pauvre petit pigeon. Ah si, planer, incliner le stick droit vers le bas pour planer. Oh là là, attention le pouvoir, oh là. Ok, je pensais que c'était une porte. Alors peut-être si je tire dedans, je sais pas. Non. Là vous avez vu ce petit vaisseau que je viens de ramasser, c'est pour améliorer mon laser. On commence avec... Oh non, alors je sais pas. Non, je veux que tu montes. Hop, je sais pas jusqu'à quand. Ah oui, j'ai une petite barre en fait. Allez, monte. Oh là là, il monte pas haut le petit poulet. Oh, il a vraiment des animations de poulet, je pense qu'ils sont basés là-dessus pour faire leur nouveau truc. Mais il faut savoir que tout ça, enfin le Walker par exemple, c'est pas foncièrement une idée tirée de ce Star Fox Zero. Pour ceux qui ont joué, enfin qui connaissent un peu la licence, Starwing est sorti chez nous, ma foi, en 80... Pff, oh, là je risque de dire des bêtises, mais genre 92-93. Parce qu'avant on avait beaucoup de temps d'attente entre la sortie japonaise et la localisation purée et la localisation française. Hop, on fait un petit boost. Et la localisation française. Faut pousser la bande d'imbéciles. Mais tu vas voir qui c'est la bande d'imbéciles, c'est toi. Et donc Starwing était sorti sur Super Nintendo à l'époque. C'était un jeu qui avait fait pas mal parler de lui. Pourquoi? Parce que dans la cartouche, il y avait ce qu'on appelait la puce Super FX. C'était une puce qui augmentait, enfin qui permettait à la Super NES de cracher des polygones, alors que bon, bah c'était une console 16 bits, hein, elle faisait principalement de la 2D. Mais là, ils ont pu faire le premier Starwing. Pourquoi Starwing? Je le dirai juste après. En mode polygone et tout, c'était de la 3D. Bon, alors ça ressemblait à ce que ça ressemblait, quoi. Hein. C'est-à-dire que côté fluidité d'image, c'était pas top. Ah non! Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah là, ça montre le petit défaut du barrel roll là-dessus, sur le stick, parce que là, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais tourner, mais tourner, putain, mais tourner avec des à-coups. Alors attends, je reviens dessus, voilà, je voulais faire droite, puis retourner à droite, sauf que le truc, ça m'a fait un... Alors attendez, est-ce que je vais ici? Je vais peut-être attendre, il y a peut-être un bonus en haut. Oh là là, mais oui, une nouvelle médaille. On va repartir là, hop, c'est parti, pioup, en mode petit poulet. Voilà, il avait fait grand bruit à cause de sa technique assez poussée pour l'époque, mais si maintenant vous regardez des vidéos, vous allez rire parce que ça a très très mal vieilli, mais c'était assez impressionnant. Et je l'avais découvert chez mes cousins et cousines, encore une fois, c'est eux qui m'ont montré beaucoup de jeux assez particuliers. Et pourquoi Starwing? En Europe en tout cas, au Japon il s'appelait bien Star Fox, c'est parce qu'il y avait un souci de droit, il y avait... alors je sais plus si c'était un jeu, il me semble, sur une console... Oh purée, hey, mais c'est un boss qu'on a déjà vu ça. C'est un peu recyclé. Ah, attendez, ah voilà, je vais le cibler, ce sera beaucoup plus simple. Oh mais oui, oh là là. Comme ça je peux vraiment ne pas le perdre de vue. Et avec la petite gyroscopie. Oh merde, j'avais pas vu par contre son petit tir en bas. Allez go, tête de veau. Ah là c'est bon. Et donc il y avait un souci de droit en fait. Le nom Star Fox était déjà pris en licence quoi. Donc Nintendo ne pouvait pas l'utiliser. Ils l'ont renommé Starwing chez nous, voilà, c'est pour la petite anecdote. Et avant la Nintendo 64, l'arrivée... Non, mais tout va bien, moi j'aime bien les plans risqués. Mais oui, tout le monde est là, moi personne ne meurt quand je suis là. Je suis devenu très doué, merci Pépi. Oh, blablabla, attends, c'est moi qui ai tué tout. Voilà, Sleepy qui sait pas trop quoi dire. Et avant la sortie de la Nintendo 64 avec le Star Fox qu'il y a eu dessus, Nintendo développait, conjointement avec Q Entertainment, Starwing 2, enfin Star Fox 2, sur Super Nintendo, mais qui ne verra jamais le jour. Et pourtant, le jeu est quasiment terminé lorsque l'annulation prend lieu. Il était à deux doigts d'être en production, hein. Il restait juste des phases de debug, je crois, à faire avant que le jeu soit Nintendo Seal of Quality. Mais la Nintendo 64 arrivait, la Super NES était sur la fin. Donc Miyamoto s'est dit, bon les gars, on va faire autre chose, on retire ce Star Fox 2 et on va faire Star Fox 64. Qui s'appelle chez nous Lylat Wars et non pas Star Fox 64. Regardez la boîte, c'est Lylat Wars. Pourquoi? Toujours parce qu'il y avait un souci de droit. C'est avec Star Fox Adventure sur GameCube que
Alors, pour, je sais pas du tout comment ça s'est fait, hein, il faudrait que je me renseigne plus, mais Nintendo a pu reprendre les droits du nom Star Fox et donc voilà, pouvoir l'utiliser chez nous après. C'est pour ça que les deux premiers épisodes chez nous ne s'appellent pas... c'est quoi ça? C'est une espèce de d'anneau? Ah oui, c'est vrai, on l'a vu dans les trailers. Ne s'appelle pas Star Fox à la base. Et donc, ils se sont dit, voilà, on va plutôt partir sur... Le Gigaria. Il est entreposé dans la colonie spatiale de la zone 3. Très bien. L'armada d'Andros met tout en œuvre pour le récupérer. Il faut l'en empêcher. Mais oui, mon pepper. Ils n'auront même pas le temps de poser leurs pattes dessus. Oh, 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 oh. J'aime bien, ça me rappelle vraiment Star Fox 64. Un atout de choc. Et donc, qu'est-ce que je disais, moi? Je parlais du Star Fox 64. Oui, donc voilà, ils ont mis en avant plutôt après la 64 et ils ont commencé le développement de Star Fox 64 dessus. Qui reprend quelques idées du 2, mais pas tout à fait. Et donc, pourquoi j'ai dit tout ça? Tout simplement pour dire que j'ai joué à Star Fox 2. Il est trouvable sur émulateur, hein, malheureusement, c'est la seule façon de l'avoir. Et en version quasiment finie, donc me semble-t-il, je suis allé très loin, voire j'ai fini le jeu, je me souviens plus, ça fait un petit moment, faudrait que je le retrouve. Je propose une attaque frontale, mais oui, moi j'aime bien les fronts. Par contre, j'ai entendu un petit bonus. Ah merde, je l'ai raté. En plus, ça aurait pu être utile, ça, parce que là, j'ai que le laser, le mono laser vert, et ça, c'est pas GG pour toucher des ennemis. Enfin bref, là, on est en mode combat libre. Je sais plus comment ils appellent ça, d'ailleurs. All range mode, qui disait dans la version anglaise. Alors, attendez, je crois que c'est B pour faire un demi-tour. Et non, ça, c'est... Bon, enfin, si, ça fait demi-tour, mais je voulais le looping. Bon, bah, tant pis. Oh, mon petit Sleepy, désolé, c'était pas pour toi. Apparemment, on peut quand même les taper. Alors, attendez, c'est Y, peut-être. Y. Non, c'est pas Y, c'est X. Oui, c'est X. Voilà, comme ça, on peut leur passer derrière. Même si, eux, ils essaient de nous envoyer je sais pas trop quoi. On va aller le voir. Je crois que c'est ça, là. On va les détruire. Comme ça, ça va éviter de nous envoyer des trucs à deux balles. T'es dans le viseur ennemi, mais t'inquiète pas, Pépi. Par contre, je préfère un peu ta voix anglaise, il faut dire. Et donc, Star Fox 2 avait des idées, notamment le Walker. C'est-à-dire qu'il y a des stages où on est sur un bipède, un petit vaisseau à deux pattes, qui se déplace comme ça, etc., dans des endroits confinés, qui rappellent énormément ce Star Fox Zero, notamment la scène où il y a les murs laser là qui passent et on doit passer au bon moment pour pas se le prendre dans la gueule. Bah ça, c'était dans Star Fox 2. Donc voilà, c'est des idées qui reviennent de loin. Mais ça fait toujours plaisir de voir, de faire ce genre de relatif, d'avoir ce genre d'anecdote, de pouvoir se dire « Ah oui, mais ça vient de Star Fox 2, c'est une vieille idée qui a été reprise et qui est bonne hein, en soi. Hein. » Franchement, ça fait un nouveau véhicule assez sympa à utiliser. Un coup de main, Vox, mais non, moi j'ai pas besoin de coup de main. Je vois juste pas trop les ennemis, en fait. Donc, je m'amuse à péter les espèces de vaisseaux qui ont l'air complètement désaffectés sur les bords. Oh, ça va être Star Wolf. Mon petit Pygma. Alors on va écouter un peu sa voix. Qu'est-ce que tu fais là? Bah dis donc. Mêlez-vous de vos affaires. Ça me ferait plaisir. Oh, c'est quoi cette voix? Alors toi par contre, c'est vrai que t'as une voix un peu chelou, mon Pygma. Alors Pygma, on nous avait dit dans la scène d'intro hein, que c'était le traître. Il faisait partie de l'équipe Star Fox à la base avec Pepi et James McCloud, mais ils les ont trahis en fait. Enfin, il les a trahis. Il était en fait un espion pour Andros. Je vous aurai, bah moi je crois pas, tiens. Hop, on va essayer de te choper. Sauf que là je te trouve pas. Boum! Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh là là! Pas trop facile? Tu m'as même pas eu, trou de cul! Trop facile, attends. Oh merde! Vous devriez être terrifié! Je suis le meilleur pilote de Star Wars! Ouais, ça c'est ce qu'on dit. Alors attends, je vais essayer de faire la fameuse technique. Bon, non, ça passera pas, on va faire X. Mais oui, t'inquiète. Ah oui, alors je pense que dans ces scènes-là. Utiliser le gamepad, c'est vraiment mieux pour le coup, avec la petite gyroscopie. Pourquoi? Parce que ça permet d'être beaucoup plus précis, parce que là, vous avez vu sur la télé, ça part un peu dans tous les sens, la caméra, on sait pas trop forcément dans quel sens se foutre. Allez, go, 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 on essaye de tourner. Mais pourquoi il dit ça à chaque fois qu'on se fait un petit tête-à-tête? Regarde-moi ça, boum! Mais oui, un bon petit cochon de lait... Au barbecue, ça ferait plaisir. Hop, je charge. Boum. Ah, il a esquivé. Pas mal, pas mal joué. Je vais essayer de t'envoyer une bombe. Alors attention. Ah merde. Ah, il est passé vachement vite. Au-dessus de ma trogne. Il est où? Je vois plus. Il faut que je regarde la télé. Oh là là, c'est là que c'est un peu fastidieux. Par contre, je commence à comprendre quelques tests. Oui. Je l'ai eu ou pas? Ah non, en fait, il me fait mal. C'est lui qui me fait mal quand il fait ça. Et en plus, je l'ai pas eu, je crois, avec mon...
Ah purée, c'est pas pratique le stick pour le... Faudrait que je vois si on peut changer ça, mais... Oh là là, là par contre j'ai bien mis dans la tronche. Faudrait que je vois si je peux pas changer et mettre une gâchette. Ah ouais. Et cette... Merde. Et cet insigne là. Pas mal. Pas mal. Oh là là, le déserteur. Eh ben oui, c'est comme ça, mon petit... Bigman nous a seulement ralenti. Vite, vers la colonie. Eh, c'est pas faux, ouais, c'est vrai qu'il a fait une petite diversion. Alors c'est marrant, maintenant, c'est en plusieurs phases, en fait, les stages. Avant, c'était d'une traite, hein, vous disiez le truc, il y avait un petit embranchement éventuellement. Et maintenant, c'est un système de phases. Alors hop, on est Catwalker, Pepe Sleepy et Falco. Nous l'avons déjà reprogrammé, bah c'est très bien. Ah moi déjà je vais prendre mes petits anneaux qui rendent de la vie parce que j'ai pris un peu de dégâts. Oula, c'est quoi ça? On va essayer de les défoncer. Rends-toi au hangar souterrain. Alors eux ils vont faire diversion, j'ai l'impression. Ah purée, est-ce que je peux... On peut pas les tuer? Ah si. Histoire d'aider, c'est quoi ces ennemis? Ah purée, il m'en veut. Oh là 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 là. Go 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 go. Boum boum boum. Voilà, c'est ça qui est bon. Hop. Alors, où est-ce que je dois aller? Au hangar souterrain. Ok, c'est là-bas. On va essayer d'y aller tranquillou. Alors, par contre, je sais jamais... Enfin, il nous explique pas comment est-ce qu'on change de... Hop! Comment est-ce qu'on change de... Comment dire? De véhicule. Comment je passe du walker au... Ah, mais oui, mais j'arrive, mais ils sont en train de me... Oui! Ils sont en train de me prendre par derrière, les gars. Oula, c'est quoi, ça? Attendez, je crois qu'il faut... Il faudrait mieux que je prenne, franchement, le... Oh, c'est bon, le walker c'est quand même pas la maniabilité du siècle, hein. c'est assez complexe dans l'idée, mine de rien. C'est surtout qu'on a du mal en fait à orienter et la gyroscopie et le viseur et le petit poulet. Oh la vache, j'ai cru que j'allais mourir écrasé. Attention, c'est des ennemis ça ou pas? Non, je les ai eus, ok. Donc voilà, ça, c'est toujours sympa d'avoir ce genre d'anecdote. Oh purée, mais attends, je viens d'ouvrir la porte, les gars, ils étaient déjà en train de tirer. Alors là, il faut absolument ce petit anneau, là, histoire de récupérer un peu de vie. Voilà, ça fait du bien. Oh, le petit doré. Alors si on a 3 dorés, vous le voyez en haut à gauche, hein, ça nous donnera une vie supplémentaire. En tout cas, si c'est comme dans les autres Star Fox, c'est l'effet que ça aura. Donc il faut pas les négliger, et surtout, ça rend pas mal de vie. Oh purée, eh, mais c'est chaud, hein, de les esquiver. Parce qu'en fait, faire 2 fois la gâchette avec un doigt, ça va très vite. Par contre, faire 2 fois le stick avec un doigt, enfin avec le pouce, c'est beaucoup plus complexe. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Oh là là, et les barrel rolls, je vais avoir du mal. Hein. Ils vont pas venir facilement. J'aurais peut-être pas dû appuyer là-dessus, je sais pas trop ce que ça va faire. Si. Il faudrait que j'écoute les musiques parce qu'elles ont pas l'air, elles ont l'air pas mal. Hein. Ah purée. En plus, il me shoot d'ici. Alors attendez, là je pense qu'il va falloir runner. Go. Oui, oh là là, Mr. Bibi. Si ça, c'est pas du bien joué, je sais pas ce que c'est. Alors attention à eux, par contre, ils sont assez... C'est quoi ça? Oui, un deuxième, ça m'a remis un petit peu de vie. Je dis pas non à une vie supplémentaire. Alors ça, c'est pas mal comme petite scène. C'est une espèce de plateforme avec le bipède, avec le walker. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Ah, et le troisième véhicule en plus. Le Giro Wing, le fameux. Alors ça, par contre, on l'a jamais vu. Même pas dans Star Fox 2. Les opérations techniques. Et en fait, les commandes sont très simples. Et en fait, on va avoir des espèces de scènes d'infiltration. D'accord, donc avec le stick droit, je peux le descendre, le monter et aussi le faire tourner. D'accord, très bien. Voilà. Oui. Et en fait, voilà, il va pouvoir larguer un petit robot. Et sur le gamepad, j'ai la vision du robot, en fait. Donc ça me permet, voilà, de me tourner, d'aller voir ailleurs. Bon, bah là, il n'y a rien. Mais peut-être que, si la ficelle est assez grande, yeah, je peux récupérer les petites pièces. Voilà, ça va donner lieu à des petites scènes type infiltration ou exploration. C'est assez rigolo. Si je fais A, voilà, il revient directement. Hop là. Alors j'espère qu'il n'y a pas des bonus non plus à tous les coins, parce que sinon, ça va être un petit peu long. Je regarde un peu autour de la salle. Peut-être vers le haut. Ah, ça sûrement même. Bah remarque, peut-être que je devais aller... Là, il y a des petites pièces. Alors, je sais pas trop à quoi elles servent, les pièces. Est-ce que c'est que du score?
C'est parti. Et mignon le petit robot. On dirait un petit robe. Hop là, on va prendre la pièce. Bon, je suis désolé, je peux pas vous montrer le gamepad. Il y a bien des captures gamepad qui existent, hein, j'en ai déjà vu, mais alors c'est cher de dingue, c'est genre, enfin c'est 400$, un truc comme ça encore une fois. Et je pense que j'ai déjà assez investi dans les dans les captures, etc. Avec le 3DS capture, le capture pour les consoles de salon, etc. Donc voilà, imaginez-vous qu'on voit la vision du robot. Voilà, c'est quoi. Est-ce que je peux les avoir directement en allant dessus? Ah non, je peux pas, hein, il faut vraiment... Un jeu de prototype. Oh la bonne blague. Alors là, je suis en train de bider mon décollage. Je voulais juste voir s'il n'y avait pas un petit bonus vers le haut. Apparemment non. Voilà. Bon alors on va pirater. Voilà. Hop. Et voilà. Ou me voilà. Pirater, toucher un terminal. Oh, analyse en cours, c'était quoi? Oh mais vous savez à quoi ça me fait penser cette voix, analyse en cours, analyse en cours. C'est la balance board dans Wii Fit. Elle fait ça quand on se met dessus pour qu'elle nous dise qu'on est gros. Elle fait analyse en cours, terminé. Ah, en fait, ils ont peut-être pris la voie de... Alors par contre, je sais même pas où est-ce que ça a ouvert une porte, c'est en bas. C'était ici. Oh, j'ai eu un troisième truc, je sais même pas comment. Il est arrivé par la force de Dieu. Pourquoi ça m'en a pas fait trois d'ailleurs, j'en avais déjà deux. Oh merde, j'ai pas vu où est-ce que... Qu'est-ce que je fais? C'est par où? Ah, attendez, qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre le sol. Il me montre en bas. Et moi, je peux rien faire en bas. Ah, bah c'est ça que dire des conneries. Max, oui. Le temps presse. Bah, le temps presse, mais je sais pas. Ah, ils me disent de m'élever. Ah, merde, s'il faut, en fait, c'était en haut. Ah oui, mais non, j'ai ouvert tout en haut, c'est ça? Ah, mais oui, le trou de cul. Oh, lolo, Max, quelle vue sens, les forces d'Andro sont repris dessus. Ah ouais? Il va falloir que... Ah, je peux tirer avec ça, quand même, hein. Fais quelque chose, bah écoute. Ah bah moi j'allais tirer mes petits piou-piou, c'est vrai que c'est pas la taille des lasers de l'Arwing, hein, franchement. Ça... Je vais trop vite pour lui. Ah non, ZL. Alors, reviens, c'est pas ça que je devais faire. Ouais, qu'est-ce que je dois faire? Regardez le sol. Ah si, c'était ça en fait. Mais si, je devais larguer mon petit robot. Bon, par contre, là, je l'ai peut-être mis un peu haut. Enfin, Nintendo, par contre, depuis la fin de Wii et début Wii U, c'est les rois du doublage qui est relou. Les petites voix lentes, criardes comme ça, genre dans Wii Party U, dans Nintendo Land, dans des trucs... purée, c'est... C'est lourd, hein, comme voix. Je sais pas ce qu'ils ont avec ces espèces de voix. Alors, où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois aller dans le gros machin rouge, là? Bon, en tout cas, c'est pas... C'est pas si moche, hein. Ça fait une espèce de ville un peu interstellaire dans cette espèce d'anneau. Bon, alors, bien sûr, je dis pas que c'est la magnificence des graphismes, hein. Est-ce que je dois aller là-dedans? Ah, mais je peux pas, en plus. Bah le temps presse, mais je comprends pas bien vos objectifs en fait, moi, c'est ça surtout. Est-ce que je peux aller dedans? Est-ce que je peux aller au milieu? Qu'est-ce que je dois faire? Y a pas genre de... Ah, je peux me mettre vu à la première personne sur la télé, why not? Et je vois sur le gamepad. Ah d'accord, là en fait vous voyez ce que moi je vois sur le gamepad. D'accord, très bien. Et alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a d'autres tours? Est-ce que je dois aller là-haut? Bon, ça m'étonnerait, c'est vachement loin. Bah d'accord, mais... Ah, mais c'est ça! Ah, mais voilà, il fallait me le montrer, moi je vois pas. Je suis un peu bigleux sur les bords. Ok. Bon, voilà, en gros, le Giro Wing, ça va être surtout le pro du piratage, j'ai l'impression. Et hop, on va se mettre en vision de sol. Oh là là! Ouais, c'est... Et moi, occupe. Bah vas-y. Ah, mais non, mais il va où? Mais non, mais pourquoi? Mais reste... reste là, sur la petite plateforme. Allez, pirate-moi ça. Vous pesez 450 kilos. Vous êtes un gros porc. Gigantoïde de combat, Gigaria. Ah, c'est ça qu'on a réussi à prendre à Andros. Donc il va nous aider, j'imagine. Le Gigaria est maintenant opérationnel. Maintenant qu'il est sous notre contrôle, nous allons pouvoir reprendre le dessus. Alors moi, je vais essayer de vous aider avec des tirs de merde. Aïe.
Ok, moi je sers à rien. Comment ça, je guide le Gigaria? What? Ah, c'est moi qui... Ciblé et guidé. Alors, attendez. Je le cible. Viens là. Viens là, mon gros. Viens voir cette espèce de licorne bipède... enfin, quadripède chelou bleu. On va voir ce qu'il... Ah, bah d'accord. Je croyais qu'il allait mettre un coup. Même pas le truc. Juste, il lui met un coup de savate. Ah, attends, par contre, je vois pas bien en tirant le truc. Voilà, un autre ici. J'imagine qu'il faut lui faire tout taper ces espèces de zèbres bleus, là. Allez, viens. Oh, oh, la patate. Mais non, mais non, mais ils étaient par terre, ils étaient pas au-dessus. Laissez le Gigaria se charger des unités ennemies restantes. Ah bon? Fox, empruntez le portail pour voir où il comptait emmener le Gigaria. Ah, bah ok, bah, c'est quoi, je peux entrer dedans? Non? Purée. Bah d'accord, mais il faut encore que je puisse entrer dedans. Là, je peux pas. Ah si, en fait, le Gigaria entre dedans avec moi. Ok, pourquoi pas. Bon, c'est un gameplay... Ah, c'est... Quoi? J'ai... Hein? Mais attends! What? Eh, franchement, je comprends pas ce qui s'est passé, là. Oh, mais non! Eh, franchement, fais quitte, les anneaux. Oh là là! Attendez, je dois tout refaire, là? Oh là là, je dois tout refaire, mais non! Bon, bah. Oh bah, au moins j'ai eu le troisième anneau. Oh bah, je vais tout hacker tout de suite. Mais en fait, ils veulent que j'entre dans le portail. Alors moi, bah, je m'y oriente, quoi, pour y entrer. Mais en fait, le truc qui est super intelligent, c'est que le Gigaria, bah, lui aussi m'a suivi. Et il devait pas aller dedans. Non mais, ça par contre, c'est un peu ridicule. C'est que vous me dites d'entrer dans le portail, moi je vais dans le portail, qu'est-ce que vous voulez, le Gigaria, normalement vous me dites qu'il est censé... Ah merde, oui c'est vrai que c'était la tour. Bon là on va aller vite maintenant qu'on sait quoi faire et où aller, ça va aller un peu plus rapidement. Hop, oh là là, ce protisme. Allez vas-y, analyse en cours. Parfait. Ah ouais, non, en fait, il m'avait bien montré, c'est moi qui ai vraiment regardé comme mes pieds, quoi. Il s'est bien montré à la Zelda, alors il faut aller là, il faut faire ça. C'est juste moi qui, je sais pas, je regardais le décor, ou je sais pas trop ce que je regardais. Je me concentrais sur ce que je voulais dire. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, donc ce Star Fox, les tests sont sortis, etc., et c'est pas GG, hein. Il a 70 sur Metacritics. C'est un site qui répertorie toutes les notes mondiales qu'il y a jamais eu par rapport au jeu. Et voilà, ça, on est sur 4 sur 10 sur Gamekult, on est sur... Allez, viens, 4 sur 10 sur Gamekult, 14 sur 20 jeuxvideo.com. En gros, les notes vont de 2 sur 5 à 16 sur 20. Je crois que 16, c'est la meilleure note que j'ai vue. Donc ça dépend vraiment des gens et de leur degré, on va dire, de... leur degré d'ambition par rapport au titre, d'attente surtout. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un Star Fox, donc je pense que les attentes étaient assez grandes, surtout de passer du support GameCube au support Wii U, qui est HD, etc., qui a quand même une belle puissance. C'est vrai que Star Fox a toujours été quelque part... Ouais, d'accord, mais alors... Bon, bah, je vais attendre, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut m'avoir ou quoi? Alors attendez, je vais essayer d'aller dedans, hein. Mais alors, mais qu'il me suive pas, le trou de cul, hein. Parce que sinon, il va encore passer dedans et moi, je serai comme une merde. Donc voilà, ça se plaint beaucoup de la maniabilité dans les tests, notamment. C'est vrai que, bon, Nintendo avait une idée. Oh, mais j'ai raté la mission, mais vraiment de rien, quoi. C'est vrai que je sais pas si Nintendo a eu raison de faire cette idée de double jouabilité avec la télé, le gamepad, en tout cas double vision, parce que résultat, ça bouffe énormément de ressources à la Wii U. C'est pour ça que le jeu est décrié pour ses graphismes, c'est parce que bah, le jeu, en gros, la Wii U gère deux jeux, elle gère le jeu sur le gamepad et le jeu sur la télé, et résultat, Platinum Games ne pouvait pas faire...
ne pouvait pas faire de miracle, et ça a donné un jeu assez bancal graphiquement. Alors il y a des jolis effets, c'est assez fluide, normalement il tourne en 60 fps, même si des analyses ont montré qu'il pouvait chuter à 40, et c'est vrai que là, il faut avoir l'œil, hein. Mais je vois des fois quand c'est pas en 60, c'est-à-dire quand il y a une explosion un peu proche ou autre, on sent que la fluidité prend un petit coup, même si, bon, on tombe jamais sous les 30 images par seconde, ce qui est, 30 images par seconde, c'est la norme, hein. C'est quasiment tous les jeux tournent en 30 fps, plus rares sont ceux qui sont en 60, donc voilà, quoi, c'est ok, quoi, tant qu'on tombe pas sous les 30, ça reste fluide. Alors, mon petit Fox, où on est? Donc voilà, les principaux reproches, c'est les graphismes et la maniabilité. Bon, moi, on verra bien, hein, on verra bien. Quelle est ma position? Tu es sur Venom, non? Ah, Zones. Me fait marrer parce que c'est les mêmes planètes que sur 64. Notre belle base. Quel gâchis. Bon, fallait peut-être pas la laisser à l'abandon aussi, hein. Tant que ce bouclier est actif, impossible de reprendre la base. Désactivez ce bouclier, mais tâchez de ne pas vous faire repérer. Qu'est-ce que c'est que cette planète au fond, là? T'es pas super sexy. Oui. Alors, attention, il y a des petits... des espèces de... je sais pas quoi, de poissons chelous. Boum. Alors, je me demande... Non, bah non, il y aura pas l'aquamarine. Ah, attention, je peux pas passer ça. Ah, regardez. J'ai l'œil. Hop. Alors, je vais pas aller chercher non plus tous les secrets un peu partout dans le niveau, parce que là... Le stage est particulièrement long, ça m'étonne un petit peu. J'ai l'impression qu'il y aura tout le temps... Ouais. J'ai l'impression qu'il y aura tout le temps trois phases, en fait, dans le jeu. Et j'ai lu notamment que ces phases en Gero Wing sont parfois un petit peu longuettes. Donc voilà, on va pas faire... Voilà, c'est des scènes un peu d'infiltration, c'est-à-dire qu'il faut... Rome nous le dit. Oh merde, je montais le son du gamepad. Comme quoi, les enfants, quand... Quand l'état vous dit de ne pas... vous avez vu là par exemple, on sent que la fluidité en a pris un petit coup quand il y a eu l'explosion. Quand on vous dit de ne pas envoyer de SMS au volant, c'est pour une raison. C'est parce que sinon on se bouffe la gueule sur le truc. Ah, attendez, là j'ai bien une porte, mais malheureusement elle est complètement bloquée. Je sais même pas si je peux y accéder en fait. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne vois rien. Par contre j'ai cru voir ici, voilà, un petit truc. On voit, vous voyez le iRobot là, ou je sais plus comment ils l'ont appelé, le e-bot. Ok, ça nous permet donc de retirer des petits loupiotes. Alors ça, c'était un truc qu'il y avait déjà eu sur le 64, c'est-à-dire qu'il y a un stage. C'était dans une mare, une planète complètement polluée, etc. Et il y avait des espèces de bouées avec des grands phares dessus, avec des faisceaux lumineux. Et si on se faisait repérer, non seulement on nous envoyait... je peux plus... On va essayer de lui donner du mou. Ah, vas-y. Ah, il arrive à tirer le Girowing quand même. Qu'est-ce que je disais? Oui, et donc si on se faisait voir par le faisceau, on nous envoyait plein d'ennemis, etc. Mais c'était surtout, c'était pas juste pour ça, c'est si on se faisait pas griller par aucun faisceau, ça nous ouvrait en fait ça nous faisait partir sur une autre planète à la fin de la mission. Il y avait deux embranchements possibles, et ça c'est le bon quand on arrive à pas se faire voir, ça nous emmène vers la bonne fin, alors que l'autre non. Donc, et apparemment dans ce jeu, il y aura également des phases un peu comme ça. Alors on peut les retirer, on peut soit les déconnecter histoire que ce soit plus facile. Moi franchement, je suis pas un petit kéké, hein, Star Fox ça me connaît, donc on va essayer de les esquiver au skill. C'est quoi ce truc? Le monstre du Loch Ness là. Boum! Ils ont tous une tête de robe, c'est marrant. Alors peut-être derrière la petite caisse là-bas, il y a des petits trucs sympas. Ah voilà, peut-être que ça va être utile, ça va peut-être nous permettre de retirer le... espèce de faisceau qu'il y a juste à gauche. Bon, pour l'instant, je les trouve plutôt sympas, ces petites phases. C'est vrai qu'il faut pas que ça s'éternise parce que c'est un petit peu mou du genou, mais ça change un peu le gameplay, franchement. Oh merde! Vite, reviens, remonte! Je crois que. On a de la compagnie. Yeah! Purée! Oh! Attendez, moi j'ai un truc, il est un peu tout pourri mon vaisseau là. Il va pas vite, alors donnez-moi 2 secondes. Est-ce que je peux faire un. Non, je peux pas faire de barrel roll. Heureusement, ils visent un peu comme des pieds. On va essayer d'éliminer le maximum d'ennemis. Ah, je crois qu'il y en a encore un derrière moi. Oh là là, mais ces esquives de dingue! Regardez-moi ça! Il n'y a personne qui passe. Et là, je crois que... Ah ouais, ça s'est vu.
Alors j'espère juste qu'il n'y avait pas encore un ennemi, sinon je vais me prendre dans le gibouleau. Hop, une petite pièce. Ah merde, bon bah voilà, je me suis pris un coup, ça c'était sûr. Il est où, Trouscu? C'est qui? C'est lui? Bah non, c'est pas lui. Allez, cool. Voilà. Allez, on va prendre le petit anneau en or. On dit jamais non à une petite vie. Voilà. On le voit en haut à gauche, en fait. Là, j'ai 2 vies. Ah, dis donc, c'est pas beaucoup, hein, mine de rien. Je pensais que ce serait... En tout cas, c'est un jeu produit par Michael Bay, parce que dans les caisses, à chaque fois, il y a 3 tonnes d'explosifs. Où est-ce que je dois aller, ma foi? Faut sûrement que je trouve... Ah, en plus, là, j'ai pas vraiment l'option pour... Alors, peut-être au milieu. Ah oui, ça me parle, en plus, cette scène, on l'avait déjà vue. Là, il y a une espèce de faisceau. Il va peut-être falloir que je trouve de quoi le désactiver. Alors, ce sera peut-être autour, là-bas. Attention, petite manœuvre. C'est comme au permis. On essaye de faire ça propre, comme ça, l'examinateur, il est content. Le petit créneau. Et non, il n'y a rien. Alors, est-ce que je dois aller vers le bas? Est-ce qu'il y a quelque chose, éventuellement? Non, je n'ai pas l'impression. Vous voulez pas que je dégomme quand même tous les spots? Oh, je pense pas. Est-ce que je peux passer par là-bas? Là, peut-être par là. Non plus. Oh putain! Freinage d'urgence. C'est bon, il n'y a pas eu de casse. Où est-ce que je suis? Où vais-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu. Comme qui dirait. Eh bien par contre, des fois, les objectifs, ils sont un peu... Ou alors c'est moi qui regarde pas. Je passe trop mon temps à parler. Mais franchement, j'ai du mal à me situer des fois dans les objectifs. Bah non, ils veulent pas que je démonte tout ça. Ah, peut-être ça là-bas, non? Il y a un petit coin, mais je vois pas en fait de... À part hacker les lampes, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Ce qu'ils veulent que... C'est quoi ça? Je l'ai pas vu. Peut-être que je shoot ça, je sais pas. On va shooter l'oiseau bleu. Il détient quelque chose. Ah merde, c'est quoi ça? Oh là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais lâche-moi! Ah ouais, carrément. Purée, le truc, bon, ça fait pas très mal, mais c'est pas une raison. Attendez, des fois, il m'indique une flèche. Ah, est-ce qu'il y avait quelque... Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y avait là-dedans, là. Peut-être qu'il y avait un truc à faire. C'est juste l'autre qui m'a... Il m'a perturbé. Bon, de retour, je peux prendre ma pièce? Oui, merci. Alors, regardez, je vais vous montrer, voilà. C'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit, sauf qu'en fait, il n'y a que Quick là-dedans, c'est la merde. Ah, le truc pourri. Je croyais que c'était là-dedans, là. J'avais repris espoir. Ah, peut-être là-bas? Là, je vois un truc. Une espèce de bouche d'entrée ou je sais pas quoi. Oh, non, ça pue. Ça sent le fail, ça. Ok, bon, bah, c'est pas par là. Ah, attends, il me montre une flèche rouge. Mais je peux pas aller là-dedans, ça sent la mort quand même là-dedans. Comment, je comprends pas ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a un truc en dessous? Enfin, ce sera un peu salaud là pour le coup quand même, hein. C'est vachement exigu, hein. Ah, remarque peut-être. Voilà. Hop, ça y est, je craque. Mais attendez, franchement, je comprends pas là. Oh, c'était là? Oh merde, j'avais pas vu. Bon, remarque, je vous mets la petite vision, comme ça vous voyez. Eh ouais, c'était là, regardez. Il y a le petit truc à hacker qui va sûrement nous ouvrir. Attends, je vous remets la caméra. Oh non, on m'a vu! Ouais, mais que veux-tu? Ah, je savais pas que ça allait aller jusque dedans. Vite. Ah merde, maintenant je vais me faire défoncer. Et je suis sûr que, à la manière de Star Fox 64. Bon, attendez, on va les défoncer. Oh merde! Bon, j'allais dire on va les défoncer avant d'entrer, mais finalement, bon bah voilà, hein. Alors on va pas toucher ça parce que ça sent la mort. On va juste prendre les petits anneaux, même si j'en ai pas besoin, j'ai toute ma vie. Ok, il y a ça ici, là il y a rien. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça emmène à la suite ou pas? On va jeter un petit œil quand même, sait-on jamais. Une petite pièce. Ça, je pense que c'est vraiment pour le score, à moins qu'après on puisse... Merde, c'est pas ça que je vais faire. On puisse reprendre des... Je sais même plus ce que je voulais dire, mais bref, voilà. Où suis-je? Attention à ces espèces de machins-là. Hop. Oh, en tout cas, les stages sont vachement plus longs que dans les anciens Star Fox. Hein. Je peux vous dire que là, dans les anciens, si je vous fais un let's play de Star Fox 64, il peut ne durer qu'une vidéo. Hein. Mais là, je vous l'annonce, il est super court. Est-ce que je peux rentrer direct? Non.
Il est super court, donc je vous le termine en 45 minutes top chrono, hein. Ça c'est clair. Hop là! Qu'est-ce qu'il y a, transmission? Ah oui, d'accord, on vient de casser un petit... Alors par contre là, je peux pas aller de l'autre côté. Alors peut-être que de l'autre côté, il y a de quoi y accéder. On va voir ça tout de suite. Avant, je préfère, voilà, parce que ça, je le sens gros comme une maison, là. Il va me tirer dessus quand je vais envoyer mon petit bot. Yeah. En fait, c'est une simulation de de drone. Maintenant, c'est la grande mode, les drones. On en voit un peu partout. C'est vrai que c'est rigolo, mais disons, ça coûte quand même la peau du cul. Hein. En tout cas, si on en veut un bon, c'est pas donné, hein, les petits drones. Et en plus, je crois que il y a des législations. Hein. C'est pas autorisé partout, etc. On peut pas tout survoler parce que forcément, ça fait un peu espion, quoi. Alors, caméra, s'il vous plaît. Je vois pas ce que je fais. Continuez comme ça. Mais alors la caméra là, elle est complètement daubée là, je vois plus rien. Où suis-je, dans quelle étagère? Elle est ici. Ah oh, purée, par contre, il te montre un truc, mais moi je sais pas où c'est après le machin. Bon bah c'est pas vers le bas en tout cas, ça c'est sûr. Écoutez, je vais aller vers le haut, on verra bien où est-ce que ça va nous mener. Ah, peut-être que c'était... Non, c'était pas plus haut là-dedans. Ce qui est chiant, c'est que ça nous fait une vision de toute pourrie vers le haut, là. Ah, ou alors c'est peut-être ça. On m'indique bien une flèche rouge, mais alors je vois pas du tout où est-ce que je dois... On va passer par là. Ah, mais en fait, je crois que je suis pas passé par là. Ah, mais c'est peut-être ça que ça nous a ouvert. Oh, putain. Ah oui, le retour des petits robots. Ah, cette fois, il a plus rien à m'envoyer. Purée, par contre, ils sont un peu tout pourris, les lasers du Gyro Wing. Ils permettent de rien tuer. À part les petits ennemis un peu comme ça. Hop, hop, hop. Ça, c'est fait mal. Je suis en train de vous parasiter avec les bruits du gamepad. C'est un truc de dingue. En même temps, je veux que vous entendiez les voix quand il y en a. En fait, il faut céder des petites nitros, ça me rappelle Crash avec les cartons de nitro. Oh merde, et putain, je suis passé en plein dedans. Autant pour moi, c'est ma faute. Bon, on va essayer de tuer un peu tout ce qui se passe autour. Est-ce que vous me recevez? Ah, ça y est. Peut-être que je vais avoir un petit objectif. Oh, bah dis donc, Kat, qu'est-ce qu'elle branle là? Ils nous remettent tous les personnages de Star Fox 64. Dommage, elle a pas. Elle avait un petit jingle assez sympa à l'époque. Là, je l'ai pas entendu. Alors, peut-être que ma télé n'est pas assez forte. Elle est ici, elle est bloquée dans le trou du cul du monde. On va aller chercher, voir un peu où est-ce qu'on peut la libérer. Ah, ce serait sûrement par là, j'imagine. Bah, bien sûr. Ça m'aurait paru étrange aussi. Gardé par un truc. Alors, attendez, on va aller le désintégrer, lui. Est-ce que je peux lui tirer dessus? Non, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut le désactiver d'une quelconque façon que ce soit? Yes! De toute façon, j'ai l'impression qu'on pourrait tous les désactiver, hein, si on voulait. Bah alors, ça prendrait une éternité, le niveau, il durerait 2 heures à lui tout seul. Et puis, il y en a, je pense que c'est clairement optionnel, hein. Il suffit de les passer une fois et puis on les retrouve plus. Allez, go! Ma petite Kat. Alors, elle, c'est une alliée qu'on trouvait dans 2 niveaux sur Star Fox 64. Et c'était les niveaux, en plus, de la zone un peu complexe à avoir, parce qu'en fait il y avait 3 embranchements principaux. Il y avait le trajet de planète en haut, au milieu et en bas, un peu à l'image de ce Star Fox Zero. Quand on regardera la map, on verra plusieurs parcours en fait, et celui du haut c'était le plus dur, mais c'était le plus intéressant, et c'est là qu'on voyait Kat. Alors voilà, on va retourner là-dedans. Youp, parce que là, la vidéo elle dure beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Hop, une 3e vie, ça fait toujours plaisir. On va descendre ici. Je comprends ce qu'ils disaient finalement, les tests. Ah, ils ont mis le petit jingle, je sais pas si vous l'avez entendu. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il l'ait remis, parce que je kiffe ce petit jingle. Et j'ai pas écouté ce que tu disais, parce que j'écoutais la musique. Elle parlait de bouclier, de je sais pas quoi. En tout cas, elle est au sol. Ah oui, d'accord, elle veut que... Ah ouais, mais attendez, il y a des ennemis là, non? Ouais, il va falloir déjà que je les mette un peu hors d'état de nuire.
Ok, là, je pense que c'est bon. On va aller défaire les boucliers, comme elle dit. Hop là. Comme ça, on pourra peut-être compter sur elle prochainement dans de futures missions. En tout cas, c'est ce qui se passait sur Star Fox 64. Et de 1. On va aller de l'autre côté. Ah merde, par contre, c'est lui, là? Comment je fais? Attendez, comment je le fais, lui? Je peux pas? What? Comment je le fais, lui? Ah, si! Je le fais pendouiller, c'est ça? Ah ouais, je le fais pendouiller, là, et je le colle dessus, c'est ça? Oh là là! Eh, franchement, heureusement que mon cerveau a tilté, parce que sinon, on aurait pu rester bloqué super longtemps à cette scène. Et je pense que là, le rayon, il pouvait me toucher, par contre. Ah, ça pue. Ça, c'est un peu comme Star Wars. Quand il pète l'étoile noire et après faut filer vite. Bon sang, on a pas le temps de s'ennuyer avec toi. Ah bah non, jamais. Suis-moi. Il est sympa ton petit vaisseau, dis donc. Il a l'air plus high-tech que mon pauvre Arwing là. Alors suis-moi, alors attends 2 secondes que je te retrouve, parce que moi je suis un peu loin à la détente, hein, vois-tu. C'est par où? Mais non, ah là, ok. C'était juste à gauche en fait, j'ai fait un petit demi-tour pour rien. On chope la petite médaille au passage, on essaie de pas se bouffer trop le sol. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, mais là, alors là, faut aller lentement. Hein. Moi, j'ai pas toute la dextérité d'un Arwing, là. Ah purée, en plus, faut pas se faire voir, sinon. Encore un petit effort. Bah oui, mais c'est ce que je fais. Hein. Je joue du stick, là. J'y vais tout en douceur. Heureusement, elle a le pouvoir d'ouvrir les portes. Oh, bah ça va. 1 minute, 2 minutes pour sortir de ça. Oh, c'est donné, hein. Eh ben, ça c'était une mission bien longue, je m'y attendais pas, je voulais faire une petite partie de 25-30 minutes et je crois que là je l'ai un peu dépassé, mais enfin bon, ça va le faire. Ouais, en même temps il n'y a pas d'ennemis là-dedans. Une médaille c'est tout. 42, 70, ah ouais. Ouais mais en même temps j'ai un peu foncé sur la fin, je pense qu'il y aurait eu matière à tuer pas mal de petits ennemis. Ah, il est pas mal fait, là, l'effet de nuage, par contre. Hein, ça faisait vraiment réaliste. En tout cas, on retrouve bien l'ambiance de Star Fox. Hein. En tout cas, moi, je la retrouve. Alors, où est-ce que je vais? Oh, elle a l'air jolie, cette zone. Mais ce sera pour la prochaine fois. Oh, bah, dis donc. Le Walker a été amélioré. Ah, dis-moi tout. Il peut pirater les terminaux comme Direct Eye. Ah non, c'est Direct Eye qui s'appelle Spy Robot. Alors là, c'est moins évident, par contre, de déceler une difficulté, parce qu'il n'y a pas vraiment 3 chemins... Mais en tout cas, je passe vers le haut. Je sais que dans les anciens Star Fox, le haut, c'est toujours le bon chemin. En tout cas, pour avoir les vraies fins, parce qu'il y a des mauvaises fins dans les Star Fox. Donc voilà, on va rester sur notre bonne étoile, en tout cas, si c'est bien ça. C'est sympa, ça, on peut bouger. Bon, tu me diras, on pouvait le faire aussi dans les anciens. C'est mignon. Je vous dis merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo sur Star Fox Zero. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, on se dit à très vite sur la zone alphabet. Putain, non pas alphabet d'ailleurs, c'est quoi comme lettre? Moi je sais pas, je connais pas le grec.